Lorsqu'elle allait au marché, ma mère me laissait au passage dans la classe de mon père, qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Je restais assis, bien sage au premier rang, et j'admirais la toute-puissance paternelle. Il tenait à la main une baguette de bambou. Elle lui servait à montrer les mots qu'il écrivait au tableau noir, et quelquefois à frapper sur les doigts d'un cancre inattentif. Un beau matin, ma mère me déposa à ma place et sortit sans me dire, pendant qu'ils écrivaient magnifiquement sur le tableau. La maman a puni son petit garçon qui n'était pas sage. Tandis qu'il arrondissait un admirable point final, je criai. Non, ce n'est pas vrai! Mon père se retourna soudain, me regardait stupéfié et s'écria. Qu'est-ce que tu dis? Maman ne m'a pas puni, tu n'as pas bien écrit. Il s'avança vers moi. Qui t'a dit qu'on t'avait puni? C'est écrit. La surprise lui coupa la parole un moment. Voyons, voyons, dit-il enfin, est-ce que tu sais lire? Oui. Voyons, voyons, répétait-il. Il dirigea la pointe du bambou vers le tableau noir. Eh bien, lis! Je lus la phrase à haute voix. Alors, il alla prendre un abécédaire et je lus sans difficulté plusieurs pages. Je crois qu'il eut ce jour la plus grande joie de sa vie. Lorsque ma mère survint, elle me trouva au milieu des quatre instituteurs qui avaient renvoyé leurs élèves dans la cour de récréation et qui m'entendaient déchiffrer lentement l'histoire du petit poucet. Mais au lieu d'admirer cet exploit, elle pâlit, déposa ses paquets par terre, referma le livre et m'emporta dans ses bras en disant « Mon Dieu! Mon Dieu !» Sur la porte de la classe, il y avait la concierge qui était une vieille femme corse. Elle faisait des signes de croix. J'ai su plus tard que c'était elle qui est allée chercher ma mère en l'assurant que ces messieurs allaient me faire éclater le cerveau.